prends ton petit grand pain. Vas-y. Olivier, t'es en solo, mais pas sur scène. Non, pas sur scène. Là, en ce moment, Simon se repose un peu. Donc voilà, on se préserve aussi parce qu'on fait beaucoup de dates. Voilà, justement, on va en parler de ces dates parce que vous êtes à peu près dans tous les gros festivals cet été. Oui. Comment ça se passe? Globalement, vous sortez des Francofolies. Là, vous allez faire le plus gros festival qui soit en France. Vous l'appréhendez comment? Là, tu viens de me faire très peur. Tout se passe très très bien pour l'instant. On a beaucoup de chance. Le public reçoit bien notre musique. Donc, c'est que des belles choses qui se passent pour nous. Donc, c'est plutôt plaisant. On a un petit peu peur là parce qu'en effet, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On a commencé à voir. Mais bon, une fois qu'on a passé les 2 minutes sur scène, qu'on voit que tout va bien, c'est parti. Dans les festivals, la démarche des gens, ce sont des gens curieux. Ils viennent aussi découvrir des groupes. Et cette démarche-là, on aime bien avec Simon. C'est important, mais c'est rare. Genre, pendant les festivals, on fait quelque chose d'un peu plus, pour nous en tous les cas, un peu plus rock, un peu plus, voilà. Donc, qui convient un peu plus au festival aussi. Parce qu'on ne peut pas mettre la même intimité dans un festival que dans une salle de concert, c'est pas la même chose. Mais même là, à la rentrée, en fait, on va encore réinterpréter nos morceaux dans une version complètement différente, dans un trip un peu plus acoustique, on va dire. Donc c'est bien, la musique c'est vivant, et surtout en live, ça porte ce nom. Sûr, l'acoustique, c'est pour ça qu'on a mis Unplugged Unwaves, parce qu'on ne peut pas s'interdire, on ne peut pas rester bloqué dans un truc guitare acoustique, ça peut être un morceau, il n'y aura que des synthés ou deux pianos, voilà, on ne peut pas s'enfermer dans quelque chose. Mais ce sera un ton en dessous, un peu plus intime. Un album live est prévu sur cette tournée qu'on va faire bientôt. Donc voilà, après la vidéo, passe encore parce que c'est très dur de retranscrire en vidéo l'énergie qu'il y a en live. Et du coup, on aime bien avec Simon que ça reste juste un souvenir, enfin, que ça reste dans la tête, c'est tout. Pas spécialement figé sur les images. Merci beaucoup. Merci. Merci.